quelques mois, cette école ressemblait à ça. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Nous sommes ici, à l'école primaire et secondaire du Kantchati, dans la commune de Ngaliema. Ces images ne trompent pas. Le travail avance d'arrache-pied. Une réhabilitation rendue possible grâce à l'initiative personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était lors de son passage, il y a quelques mois, au Kantchati. Et pour y arriver, l'histoire remonte des longues années. L'ITP Tchatchi, ex-ITP Général Nzimbi, était de sa création un centre de spécialisation professionnelle créé par le Général Nzimbi. Alors, ce centre organisait à son sein les options telles que la mécanique auto, la maçonnerie, la menuiserie et l'électricité bâtiment. En 1992, le ministre Koufi Kilanga avait signé un arrêté faisant de l'ITP Général Nzimbi une école publique. Avec cet arrêté, l'ITP Général Nzimbi a cessé de fonctionner comme une école privée. C'est devenu une école publique, toujours avec les mêmes options. Décidé d'améliorer les conditions sociales des militaires, Félix Tshisekedi a ordonné à ce que la construction et la réhabilitation de cette école soit inscrite dans le projet de 100 jours d'urgence. Le complexe scolaire Kantchati, c'est un grand projet. Il faut se dire que tout ce qui était là comme école, comme infrastructure, ne répondait plus aux normes. Il est prévu dans ce site que ce site fonctionne avec une école et une école technique, donc deux sections. Et compte tenu des besoins que nous avons recensés ensemble avec les bénéficiaires, mais aussi avec les PSP qui étaient associés, nous avons été amenés à pouvoir moderniser complètement ce complexe. Ce qui fait qu'en dehors de la réhabilitation des plus ou moins 8 salles de classe, nous avons construit 14 nouvelles salles de classe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'école a pratiquement doublé sa capacité. Cette école fait partie des chantiers les plus importants du secteur de l'éducation, assuré par la société de construction Safrimex, car l'école a été trouvée dans un état de délabrement. Le président est passé ici, il a vu les conditions dans lesquelles les élèves, bien les enfants militaires, étaient en train d'étudier. Il n'a pas voulu que ça puisse continuer ainsi, raison pour laquelle il a demandé qu'on puisse améliorer les conditions. Et il a directement contacté notre entreprise qui avait commencé les travaux au mois de mars. Et nous avons vu qu'il nous a donné 12 mois. Mais notre patron, soucié de ces requêtes du président, il a voulu faire fonctionner des choses telles que vous les trouvez aujourd'hui. Et à peine 6 mois, vous trouvez que nous sommes presque à la fin. Et pour la phase de la nouvelle construction, où nous avons 3 bâtiments qui font office de salles de classe, des salles de classe qui ont une superficie de 6 x 8, qui peut prendre 50 élèves minimum par salle. Et nous avons un bâtiment bureau qui est derrière nous et qui a 3 salles qui pour les travaux pratiques, les séances pratiques. Et puis nous avons aussi une salle d'informatique. Nous avons le bureau pour les préfets, nous avons le bureau pour le directeur des études, nous avons le bureau pour les secrétaires. Donc et nous avons les sanitaires aussi. Autrefois délabrée, l'école primaire et secondaire du Kantchati est aujourd'hui dotée des nouveaux bâtiments. De quoi donner une lueur d'espoir à ses bénéficiaires. Les élèves vraiment n'étaient pas dans de bonnes conditions. Vraiment, les mots me manquent vraiment. Je peux dire seulement Moka Kosoa, le président, vraiment Tosimbiobo, le président de la République. Je vous remercie beaucoup. L'amélioration des conditions d'apprentissage est aussi un facteur clé qui garantit la qualité de l'enseignement. Avoir des infrastructures scolaires répondant aux normes internationales s'avère donc très capital pour la formation des futurs intellectuels du pays.